Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dans cette nouvelle revue qui va parler de féminité. On se retrouve tout de suite après mon petit générique. Aujourd'hui, je vais vous parler féminité. Avant de vous parler féminité, puis vous expliquer comment je vais dérouler ma revue et puis les petites revues qui vont s'y rapporter, je voulais souhaiter la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Et puis, j'espère que le contenu de cette chaîne vous plaira. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir et puis je serai ravie d'y répondre. Alors donc, je vais parler aujourd'hui de féminité, mais disons que ça va être une introduction, voilà, c'est une revue introduction, on va appeler ça comme ça. Et de cette revue introduction, eh bien, je vais découler d'autres petites revues qui traiteront de la féminité, donc de choses, voilà, de sujets en particulier à propos de la féminité. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème? Eh bien parce que à la base, quand j'ai voulu ouvrir ma chaîne YouTube, déjà ça m'a pris environ un an et demi avant de me décider pour ouvrir cette chaîne. Hein, pour me décider, il fallait vraiment que j'accomplisse la totalité de ce que je m'étais fixée. Hein, comment vous expliquer? En fait, je pense que toutes les femmes ont des traversées, ce que j'appelle les traversées du désert. Hein. Et donc, comme beaucoup de femmes, moi j'ai eu la mienne. Hein, et quand j'ai décidé de sortir de ce désert, eh bien j'ai accompli plusieurs choses. Et d'où l'ouverture de cette chaîne, parce que j'avais envie donc de partager toutes les petites choses que j'ai mis en place au fur et à mesure pour sortir de ce désert. Alors comment définir ça? Alors quand j'ai ouvert cette chaîne, je voulais vraiment une chaîne, hein, d'ailleurs je veux toujours une chaîne qui s'adresse à la femme en général et pas à une femme en particulier. Au risque de m'attirer les foudres, je suis pas, j'aime pas les termes comme mature, senior, quinca, voilà, tout ce qui nous met forcément dans une case, ça me sort un petit peu par les yeux. Pour moi, je pense que on est une femme et peu importe l'âge qu'on a, le type de vie qu'on a, on reste une femme à part entière et voilà, l'âge n'a pas à rentrer en compte dans la façon dont on est femme. On a le droit de s'habiller comme on veut, à l'âge qu'on veut et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas de critères, il n'y a pas de carré, il n'y a pas d'obligation de suivre quelque chose qui nous ressemble pas. Donc voilà l'idée première que j'avais de cette chaîne, que j'ai toujours, c'est-à-dire je voudrais que ce soit une chaîne qui s'adresse à la majorité des femmes qui seraient amenées à la regarder et pas en particulier à une femme mature ou senior ou peu importe comment on nous casse dans des choses, voilà. Alors, pour reparler donc des traversées du désert, quand on est femme, hein, à mon sens, il y en a quatre traversées du désert. En fait, j'en ai trouvé, moi, quatre. Alors, la première traversée du désert, eh bien, c'est quand on est une jeune femme et qu'on n'a pas forcément un modèle de féminité
face à soi. C'est-à-dire qu'on peut avoir une maman tout à fait adorable, mais on n'est pas forcément en accord avec sa maman sur la façon de s'habiller ou autre, et on a besoin de d'autres références féminines. Donc à ce moment-là, on est dans un désert de féminité, et puis on va traverser des choses comme ça, puis on a envie d'arriver dans ce que je vais appeler une ville, entre guillemets, où on a des codes de féminité, mais voilà, où se diriger, comment se diriger, sur quoi aller, où aller. Donc voilà, toute la question est là. Et puis donc ça, c'est la première traversée du désert. La seconde, c'est la femme qui va traverser un désert, mais de courte durée. Donc il y a déjà les codes de la féminité avant de traverser ce désert, et puis qui va se retrouver dans cette fameuse ville de féminité où, comme elle a déjà connu les codes avant, elle n'a pas de mal à s'y retrouver. Donc celle-là, je veux dire que je ne vais pas l'oublier, mais disons que je ne vais peut-être pas la citer dans mes futures revues ou dans mes propos. Je veux dire, cette femme-là, elle peut avoir une traversée du désert de très courte durée parce qu'elle aura perdu son emploi, donc elle va se renfermer sur elle-même, et puis ça va être une perte d'emploi très courte, et puis finalement elle va se remotiver, et elle va retourner dans cette fameuse ville où elle connaît déjà les codes. Ensuite, il y a la troisième femme, donc la troisième traversée du désert. Donc celle-ci, c'est une traversée du désert extrêmement longue, et quand elle va arriver donc à la ville de la féminité, et bien là elle ne connaît même plus les codes parce que elle les a connus auparavant, mais elle ne connaît plus les codes parce qu'effectivement ils ont tellement changé que tout est très compliqué à comprendre. Et puis enfin il y a la quatrième, celle où je me place réellement. Donc ça, c'est une traversée du désert qui est aussi longue que la troisième, mais où on va trouver des petits des petits oasis qui vont pouvoir nous combler un peu sur les questionnements qu'on pourrait avoir. Et puis finalement, on va arriver à avoir quelques petits codes, et quand on va arriver dans cette ville, on va être aussi perdu que la troisième ou que la première. Mais comme on aura picoré des petits codes pendant ce laps de temps qui est assez long finalement, on va arriver dans cette ville de féminité où on aura quand même quelques petits codes. Forcément, je vais parler de mon cas personnel, mais moi, quand j'ai eu cette traversée, elle a duré, si je compte bien, du début où elle a commencé jusqu'à où elle s'est vraiment, où j'ai décidé de me prendre en main, elle a duré à peu près 14 ans. C'est grosso modo 14 ans où je me suis complètement oubliée. Alors quand on traverse ce genre de période, donc ça peut être effectivement une perte d'emploi, ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être une rupture. Amoureuse, ça peut être un repère féminin inexistant, ça peut être ce que moi il m'est arrivé, donc de devenir aidante pour un membre de sa famille, ça peut être la perte de sa maison, ça peut être un enfant malade, ça peut être la perte d'un enfant, la perte d'un proche, voilà, ça peut être tout. Et alors ça ne s'apparente pas à une dépression, quoique, mais on rentre à l'intérieur de soi, on n'a pas envie de s'occuper de soi parce qu'on a d'autres choses à penser, on n'a pas envie de se sentir belle parce qu'on a d'autres choses à penser, on a mille et une choses qui font que il y a des choses qui sont plus importantes que de se regarder dans la glace, de se maquiller, de se coiffer, de s'habiller, de s'intéresser à, entre guillemets, tout ce qu'on pourrait appeler la futilité féminine. En même temps, je pense qu'une femme
dois quand même avoir un minimum de féminité, ne serait-ce que de se maquiller ou de se coiffer ou de trouver une jolie tenue. Voilà, mais quand on est happé par des choses de la vie qui ne sont pas très agréables, et bien on se met en jachère, on se met en stand-by et on traverse toute seule ce fameux désert. Alors, pour parler de mon cas précis, effectivement, moi je me suis oubliée près de 14 ans. Alors, je dirais qu'il y a eu une bonne grosse boule au milieu de ces 14 ans où je ne me suis absolument pas occupée de moi. Et puis, tout ce qui était avant et puis après, avant c'était vraiment une descente. Hein. J'ai eu cette grosse boule où franchement, j'avais plus besoin de m'occuper de moi, où je n'avais pas envie, où j'avais autre chose à penser, une montagne de soucis et tout. Et puis après, j'ai commencé à justement à trouver ces petits repères sous forme d'oasis pour essayer de retrouver quelques codes. Donc voilà ce que je voulais dire. Et je pense que quand on n'a plus du tout de code, ce qui s'est produit pour moi, quand je me suis réveillée, pour vous dire, quand je me suis réveillée, je pensais que les sourcils de Marlène Dietrich étaient toujours tendance, alors que je suis arrivée à un moment à voir que non, c'était des sourcils broussailleux. Certains après avaient le devant carré et puis maintenant on a des jolies lignes de sourcils. Je me suis aussi endormie pensant que les sourcils on les épilait uniquement et puis j'ai compris très vite que non, on redessinait une ligne de sourcils. Je me suis endormie et puis je me suis réveillée en pensant que Lancôme, Guerlain, Dior, Chanel étaient des marques phares, sont toujours des marques phares, hein, mais étaient des marques phares d'une parfumerie. Et en fait, je me suis réveillée avec des nouvelles marques que je ne connaissais pas, comme Anastasia Beverly Hills, Too Faced, énormément de marques nouvelles que voilà, je bénéfice, que je ne connaissais pas. Voyez, donc on sort de notre désert en pensant à des choses qui en fait n'existent plus et ne sont plus d'actualité. Donc quand on arrive dans cette fameuse ville, eh bien on recherche ses repères et on ne les trouve pas parce qu'ils n'existent plus. Alors pour essayer de combler toutes les lacunes qu'on a finalement accumulées pendant toutes ces années, on se dirige soit vers des magazines, mais moi les magazines ne m'ont pas plus apporté que rien du tout. Je feuilletais ça avec... je n'achète pas de magazines, donc c'était un peu compliqué. Mais je feuilletais ça chez le marchand de journaux et je ne comprenais pas très bien pourquoi on était d'un seul coup classé sous forme de lettres alphabétiques en tant que morphologie, donc en A, en V, en O, en X, même en 8. Hein. Donc je ne comprenais pas. Toutes ces nouvelles tendances, ces nouveaux mots, d'un seul coup, mes cheveux blancs étaient devenus à la mode, mais uniquement pour les très jeunes femmes. Des nouveaux mots sont apparus comme le mot mémérisant. Enfin bon, voilà, il y avait plein de... ou des décalages de vêtements, etc. Et donc je me suis retrouvée dans un monde qui m'était complètement inconnu, mais qu'il fallait quand même que je rattrape. Donc forcément, les magazines ne m'ont pas apporté grand-chose. Je me suis donc dirigée sur tout ce qui était Internet, donc des blogs, des youtubeuses, etc. Et puis, il a fallu que je regroupe plein d'idées. Et finalement, quand j'ai commencé à me fixer des objectifs sur tu vas commencer par ci et par ça, c'était tellement confus. Il a fallu quand même qu'il y ait un gros travail, que je bosse beaucoup pour comprendre les termes, c'était vraiment un monde tout à fait nouveau. Et
quand j'ai commencé à me sortir de tout ça, il n'y a pas encore très longtemps hein, que je me suis sortie de tout ça, où j'ai commencé petit à petit à comprendre les codes, eh bien, je me suis dit que finalement, il serait bien aussi que je partage mon expérience. Donc, d'où l'importance de cette première revue, donc qui va s'appeler Féminité 1, et puis donc il va y avoir d'autres petites revues qui vont découler de ça pour donner comme un petit dictionnaire, une petite marche à suivre, alors sans prétention. J'ai tout à fait conscience que je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, je vais peut-être être répétée ou dire des choses qui paraissent tellement logiques pour quelqu'un qui est entre guillemets normal ou qui n'a jamais connu de problème de ce type, où il y a des choses qui, quand on sort d'une traversée comme ça, qui ne paraissent même plus logiques ou qui ne paraissent même plus normales. Donc voilà, je vais englober ça. Et puis, donc la première chose voilà, que j'aurais à dire dans ce pour démarrer vraiment ce côté féminin, donc déjà il faut que vous ayez un déclic dans la tête. On peut pas se dire bon allez je vais me remettre en question si on n'a pas le déclic, c'est pas possible. Il faut vraiment se dire bon allez, là c'est bon, tout est rentré dans l'ordre, maintenant je vais me reprendre en main. Donc se reprendre en main, on commence par là, on se dit on va se reprendre en main et puis on va essayer de retrouver la féminité en fait qu'on a complètement perdue, ou la féminité qu'on n'a pas encore trouvée, voilà, donc il faut vraiment avoir un déclic. Une fois qu'on a ce déclic, je dirais que si on a du poids à perdre, on commence par là. Alors, je ne vais pas vous refaire un laïus sur la perte de poids, je crois qu'il y a énormément de choses sur la perte de poids, sur tout support, hein, je veux dire, les magazines, les blogs, les chaînes YouTube, il y a énormément de propos là-dessus, que ça ne va pas être une énième revue sur comment perdre du poids. Moi, je vais vous remettre en barre d'infos ma revue sur mon sport et ma perte de poids. Je crois que c'est l'idéal si vous voulez commencer par ça et si vous avez réellement du poids à perdre. Et puis bon, si vous voulez une revue plus complète sur l'alimentation ou la perte de poids, je peux en faire. Mais ça sera uniquement à la demande de certains ou certaines d'entre vous. Mais je ne vais pas vous asséner encore ce genre de propos. Je dirais en gros que si on a envie de perdre du poids, il y a la possibilité de le faire sans régime. Puisque le poids est un coupe-faim naturel quand il est pratiqué régulièrement et à dose régulière. Et puis, je dirais qu'il faut se fixer des tout petits paliers de descente. Si on a 15 kg, 20 kg, 30 kg ou 40 kg à perdre, je ne sais pas. Hein, mais on se fixe que des petites descentes par 5 kg. Quoi, parce que sinon, on est très vite découragé. Et puis, on se dit que c'est pas en 6 mois qu'on perd tout ça. Non, ça va être ça va être long. La traversée du désert, elle est longue, mais l'arrivée au centre-ville, elle est aussi longue. Donc, il va falloir être patiente pour se prendre en main. Et puis, bon, moi, je vais vous faire des petites revues pour vous essayer de vous diriger. Pas dans les termes, hein, mais voilà, de dire, après la prise de conscience, on va commencer à perdre du poids si on a besoin d'en perdre. Et puis après, je vais vous donner la clé suivante, enfin ce que moi je pense être la clé suivante pour justement vous retrouver féminine ou vous trouver un style féminin ou enfin voilà. Donc je pense avoir fait le tour de cette introduction. Dites-moi en barre d'infos si vous trouvez le thème intéressant, si ça peut vous déclencher quelque chose ou vous aider, ou si vous trouvez tout simplement que ça ne va rien apporter. Alors je comprends que ça n'apporte rien à une seule personne. Après, si je peux apporter quelque chose à, je sais pas, 2-3 d'entre vous, j'aurais fait
j'aurais pas conclu ma chaîne, mais disons que voilà, je serais contente de savoir que ma chaîne, elle va permettre à des femmes, hein, sans distinction, qu'on soit bien d'accord. Pour moi, ma chaîne, c'est une chaîne pour les femmes sans aucune distinction, que ce soit d'âge, de morphologie, de... voilà. Donc, si je peux juste convaincre 2-3 femmes à se lancer dans le truc, eh ben, je serais ravie. Donc, en attendant de vous lire, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et puis je vous dis à très bientôt. Donc n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de la petite cloche aussi, c'est très important pour continuer à recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'il y a une revue qui sort. Et puis je vous dis à très bientôt pour un petit haul friperie dans quelques jours. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous embrasse tous, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.